car's not starting. Yo, what does that even mean? What? Oh, Gook? No, it just means, in Korean, it just means country. Really? Yeah. Yeah, so like, you know, Hanguk is Korea, Yeonguk is England. What about America? That's my favorite one. Mi gook. Bridé ou niakoué, c'est ainsi qu'on pourrait traduire gook, l'insulte raciste utilisée par certains Américains pour désigner les immigrés coréens. Mais depuis le festival Sundance, où il a remporté cette année le prix du public, c'est aussi un film au titre incendiaire réalisé par Justin Chon. Pas de quoi fanfaronner cependant pour le lauréat de 36 ans. L'exemple parfait, c'est les Oscars l'année dernière, et avec des blancs et des noirs. Ça sert à rien de se mettre en colère. Le remède, c'est de créer. La création artistique permanente, c'est le moyen le plus efficace et rapide pour changer les choses. Il y a 26 ans, 4 officiers de police de Los Angeles sont filmés par un passant en train de tabasser un automobiliste afro-américain, Rodney King. Un an plus tard, le verdict tombe, les policiers sont acquittés. Des émeutes sans précédent enflamment alors les quartiers noirs de LA. Les Américains d'origine coréenne, qui tiennent la majorité des commerces de ce ghetto, sont pris pour cible. Certains, anciens vétérans de la guerre du Vietnam, décident de prendre des armes pour protéger leurs échoppes. Justin a 11 ans quand il voit la boutique de chaussures de son père pillée. J'étais à la maison. Je regardais les émeutes à la télé et je me disais que c'était comme dans un film. À 11 ans, on ne prend pas la mesure de la gravité de la situation. Mais je savais que mon père était là-bas et qu'il essayait de défendre notre boutique. Et je me demandais ce que ça allait signifier pour notre famille. Est-ce qu'on allait devoir déménager ailleurs? Qu'est-ce que ça voulait dire? On the other side, everything's gonna be just fine with a little more time. Camilla! Hey, yo, man, what's up? Man, what's up? À la manière d'un Spike Lee, Justin Chon revisite cet épisode sombre en focalisant son récit sur l'amitié entre deux Américains d'origine coréenne, gérant d'une boutique de chaussures pour femmes et une fillette noire de 11 ans. Un petit conte de fées vite bouleversé par les émeutes et dans lequel Justin joue l'un des rôles principaux. DKJ 786. DKJ... Okay, 786. It'll just be a couple of moments. DKJ 746? 786. 86. Jesus. It's getting crazy out there. Yeah. People are mad. As they should be. Justin naît en Californie en 81. Ses parents viennent de quitter la Corée pour s'installer aux États-Unis, où vivent à l'époque 300 000 de leurs compatriotes. Avant d'émigrer, le père de Chon avait tâté du cinéma en jouant le rôle d'un enfant chargé de nettoyer les oreilles d'un monstre. Justin, lui, obtient ses premiers rôles dans des séries télé pour ados. Sa vie bascule en 2008 lorsqu'il accepte de jouer dans l'adaptation au cinéma de la saga Twilight aux côtés de Kristen Stewart. Mon agent, à l'époque, m'a appelé pour me dire « Hé, il y a un rôle qui serait super pour toi. C'est l'histoire d'une famille de vampires. » Hors de question, j'ai dit. Il m'a répondu « Mais c'est une histoire d'amour. » Il n'arrêtait pas de s'enfoncer. J'ai dit, je viens de me taper 2 ans de série pour enfants. Je veux faire un truc sérieux, un rôle dramatique. Sa notoriété naissante permet à Justin de se lancer enfin dans la réalisation. En 2015, il met à profit son diplôme d'école de commerce pour monter son premier projet, Man Up, une comédie coécrite avec le youtubeur Kevin Wu, qui vole volontairement au ras des pâquerettes. Tous les Américains d'origine asiatique n'ont pas envie d'aller à Harvard ou de gérer une multinationale. On n'est pas tous brillants, on n'a pas tous ce genre d'ambition. Certains d'entre nous se contentent de pas grand-chose. Dans Gook, ils essaient juste de s'en sortir. Dans Manap, ils sont carrément débiles. Vraiment débiles.